Bon, si Martial Mango croit aujourd'hui, ça veut dire que par le passé, il a posé beaucoup d'actes néfastes aussi. Oui, ah, oui, tu avais les copines. Oh, oh, merde. Tu sais, Martial Mango, tu savais s'habiller. Il était toujours impressionnant. Tu vois, parfois, Martial Mango, plus 11h, il fait chaud. Il est en complet cuit. Il dit que ça me chauffe le support de son frère. Ça me chauffe le support de son frère. Il est devenu simple, je dis, oh, la pile est finie. Non, parlant de copines. La pile est finie. Parlant de copines, il avait beaucoup de copines aussi. Martial, c'était un chirurgien de danseuse. Tu comprends, non? C'était un chirurgien. Je sais que tu le vois encore les filles là. Comme là, tu. Et là, avec Dieu. J'ai prie pour tout le monde, pour tous ceux qui m'ont connu de près ou de loin, je prie pour eux. Est-ce que tu n'as pas des enfants ici, que tu es enceinte et tu es enchanté? Oui, ce que je veux simplement dire, ce que je veux dire, c'est que Jésus-Christ est celui-là qui transforme. Ouais. Moi, j'ai eu, par la grâce de Dieu, c'est une grâce d'avoir déjà des enfants. Il faut bénir le Seigneur. Ouais, il faut bénir. J'ai eu, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu 7 enfants avec 7 mamans différentes. J'ai confiance. Voilà. Mm-hmm. Donc, je me suis marié il y a 2 ans par la grâce de Dieu. Je veux dire quoi Et avec la nouvelle épouse, est-ce que ma sœur a un enfant? Oui, il s'appelle Shalom, il a 1 an. Shalom, voilà. Shalom. Donc, c'est le 8e enfant. C'est le 9e. 9e enfant. Oui. Merde! Merde! Donc, tu es un distributeur automatique. La parole de Dieu dit que là, le péché abonde, la grâce surabonde. Si tu es un braqueur, tu as braqué les banques. Jésus seul touche ton cœur, il te dit, je t'aime. Dépose l'arme, viens à moi. Martial Mango, est-ce que tu regrettes ton passé comme chanteur? Je ne sais pas, tu faisais quand même, c'était le quoi ça, c'était le Nomboro, c'était le Zaïko. Est-ce que tu regrettes un peu ce passé-là? Honorable feu de l'eau de le Parisien. Tout ce que j'ai fait dans le passé, je ne peux pas dire que je le regrette parce que c'était pour la gloire de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord les ténèbres pour que la lumière apparaisse. Mm-hmm. La parole de Dieu dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Mm-hmm. La parole de Dieu dit que les ténèbres ne demeureront pas toujours sur la terre. Mm-hmm. Le péché ne va pas toujours demeurer sur la terre. Les guerres ne vont pas toujours demeurer. La misère ne va pas toujours demeurer. Un jour, le soleil apparaîtra. Et bon, le soleil de la vie, c'est Jésus-Christ. Ouais, est-ce que dans la Bible, on interdit, on demande de ne pas chanter? On demande peut-être de ne pas chanter parce que tu as clairement arrêté avec la musique, selon ce qui se dit. J'ai carrément arrêté la musique du monde. S'il m'arrive un jour, comme c'était dans mon dernier album de 2006, de faire un album pour le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur, Jésus-Christ est vivant, gloire à Dieu. S'il m'arrivera de le produire, de le sortir, ça sera poussé par le Saint-Esprit. Je ne peux plus faire des choses pour de moi-même. Et comment on va t'appeler à ce moment-là? Toujours Martial Mango? Ce qui m'a... Alors, c'est le nom que Martial a, que tu as utilisé à l'époque, quand tu étais dans le monde. Dans le monde. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mon véritable nom, lorsque je suis né le 26 mars 1972 à Zoetele, c'est Ngba Bienvenue Martial. Je préférerais qu'on m'appelle Ngba Bienvenue Martial. Oh frère bienvenu. Ou Martial Mongo, je ne vais pas refuser. Mm-hmm. Si vous m'appelez Martial Mongo, je vais me retourner, je vais vous dire qu'on ne m'appelle pas comme ça. Et si aujourd'hui ton ami, je ne sais pas si c'est son ex-ami intime, papa, son mariage, et il souhaiterait que tu viennes faire. Ils ont son épouse dit le plus beau cadeau que tu m'offres. Alors, quand tu es mariage, je veux que Martial Mongo vienne chanter. Il doit chanter. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. La parole de Dieu ne me dit pas réjouissez-vous. Réjouissez-vous avec les chrétiens qui se réjouissent. Non. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc, si Papa Zoé ou Ebanda Tamba, qui est Patrice, un ami avec qui nous avons connu des hauts et des bas, s'il se marie, par exemple, bon, il est déjà marié, bon, s'il est fait chez lui et qu'il m'invite, je viendrai. Mais. Vous parlez de la Bible. Si une occasion, comme c'est toujours le cas, une occasion va se présenter, je parlerai toujours de la Bible. C'est vrai. Parce que je ne pourrais mais pas. S'il veut plutôt que tu chantes. Je ne pourrais pas chanter. Si je chante, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Bon, je dis à ma sœur. Tu peux encore aller en boîte, tu bois les whisky, tu bois les champagnes. Tu peux encore faire ça. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte.
la tour de contrôle. Le tonnerre. Oui. Pourquoi? Parce que mon Père, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui m'a racheté, le Seigneur Jésus-Christ qui m'a racheté des mains de ténèbres ne peut pas accepter que j'entre en boîte. Si j'entre en boîte, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer. Maman, si elle est, est-ce que tu as pu convaincre déjà Papa Zoé? Qu'il veut aussi. Il faut aussi le. Il faut aussi le traverser. Tu traites les gens, tu soignes. Ce n'est pas moi qui traite. Tu ne fais pas comme le docteur Joshua. Hein? Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Comment peux-tu payer ça quand tu ne fais pas d'accord? Je dis toujours. Peux-tu payer parfois ce spectacle? Tu veux prendre ça, mais il fait comme Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'étais béni. Il dit peux-tu payer? Commence par toi-même d'abord. Que Dieu leur pardonne parce qu'ils sont ignorants. Et il y a encore, parce que la Bible dit qu'il est donné à un homme de vivre une seule fois, ensuite vient la mort. Après la mort vient le jugement. Tout ce qui blasphème le nom précieux de Jésus-Christ, tout cela, ils ont encore le temps de leur vivant de se repentir. Mmh. Parce que Jésus-Christ les aime, et moi je les aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je sens que délivré, on est purifié, nous sommes là. Tu sais, je veux t'inviter un dimanche et à coller ce Wanka. Tu vas traverser sur Jobé. Tu vas les délivrer. Ce n'est pas toi qui délivre. Ce n'est pas moi qui délivre. Lokamga. Ce n'est pas moi qui délivre. Tu vas les délivrer. Ce n'est pas moi qui délivre. C'est le nom de Jésus. Même Eric Fouet. Par la puissance du Saint-Esprit. Eric Fouet, non, pour lui, ce n'est pas moi qui délivre. C'est la tour de contrôle. Ça doit être le temps pour délivrer son démon. Ce n'est pas moi qui délivre. Voilà. Ce n'est pas moi qui délivre. Bon, qu'est-ce que Marcel Mongo pense de ceux qui disent qu'il était obligé de croire parce que c'est une personne qui l'a amené en Europe et la personne, arrivée en Europe, la personne a dit la condition pour être avec moi, c'est de croire en Dieu. De toute façon, je suis allé en Europe et la personne qui m'a amené en Europe ne croit pas en Dieu. Oui. Mais la personne que le Seigneur a utilisée pour que je sois en Europe ne croit pas en Dieu. Et je prie pour cette dame qui est suisse. Mmh. Est-ce qu'on t'a invité pour un spectacle ou bien... C'était l'amour. C'est l'amour. C'était le monde. C'était le monde demandé. Donc c'était l'amour. C'était le monde comment? C'était l'amour comme il dit? C'était le monde, c'est-à-dire j'allais pour une affinité amicale. Je vais t'exprimer. Regarde ton souffle pour prêcher à l'aise. Tu sais, ma sœur Bobo, comme tu le vois là, ouais. C'était un bon qui s'appelle pompier. Ouais. Il brûlait les prunes. La raison qu'il brûlait les prunes à la femme là, ouais. La femme a dit que merde, je ne peux être loin de toi, mon bébé. Viens maintenant auprès de moi. Viens brûler les prunes là que je place. Parce qu'on parle là. Ok, mais aujourd'hui, bon, tu vois, Marcel Mongo dit c'était le monde, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours de bonnes relations parce que Marcel croit, cette femme ne croit pas? Le tout, ce n'est pas d'avoir, de l'avoir tout le temps au téléphone. Nous n'avons pas eu, on ne s'est pas eu au téléphone depuis environ 6-7 ans. Mais chaque fois que le Saint-Esprit me dispose de pouvoir prier pour elle, je prie pour elle. Et je crois que tout ce qu'ils m'ont connu dans le passé, le Seigneur Jésus-Christ leur fera grâce par le témoignage, par ce qu'il a fait dans ma vie, afin qu'ils soient touchés eux aussi et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Est-ce que dans l'endroit tu écoutes encore la musique camerounaise, le Makossa, le Benskin, le Mangambe? Ou bien Kotobas? On appelle ça ancien réflexe. De temps en temps, je vais aussi sur Internet pour savoir qu'est-ce que Fingon fait, ouais. Qu'est-ce que Manolab est devenu, qu'est-ce que mon ami Zou est devenu, ouais. Qu'est-ce que mon ami... tous mes collègues, je cherche à savoir ce qu'ils font parce que tous mes anciens collègues, voilà. Ça me permet à ce que lorsque je vais les voir, si le Seigneur permet qu'on se rencontre, que je puisse leur dire la vérité. Bon, ma sœur, bon, c'est nos trois artistes camerounais que tu voulais donner la parole de Dieu. Si nous trois artistes camerounais, que si l'occasion ou bien le temps te permet, tu entreras chez eux, les prêcher l'évangile. Ouais, je commencerai par dire à Mundi. Petit pays, c'est le nom que on lui a donné, que Satan lui a donné. Ouais. Le nom qu'on lui a donné lorsqu'il est né, c'est Mundi. Adolphe. C'est le nom pour se glorifier. Ouais. Martial Bongo, le président de Daido à Paris. Tout ça, c'est. C'est le nom du diable. Je suis Ramsès Ier. Ce sont des noms diaboliques pour glorifier l'âme. Voilà. Et la gloire ne revient pas à un homme, parce que l'homme n'est qu'une poussière qui retournera à la poussière. La gloire revient à Jésus-Christ seul. Donc si je vais... ça, c'est le nom diabolique. Quand tu prononces d'abord, ça c'est satanique ça. Manolab, donc, tu vois.
Si j'ai trois personnes à qui je voudrais parler, ouais, je cite d'abord Mundi Claude, ouais, qui est un grand frère que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et je l'aime pas de mon amour, mm-hmm, mais de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Mm-hmm. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ l'aime. Voilà. Et je crois qu'il est encore vivant. Il est temps qu'il se repente. Voilà, on fallait dire, ouais. Je parle de Ebanda Tambapatus. Mm-hmm. Papa Zoé. Je parle de Papa Zoé. Polo Serge. Serge Polo. Voilà. Je crois qu'il est temps que les gens comprennent que la Rose Croix, la franc-maçonnerie, les Illuminati, tous ces gens, nous connaissons tout cela. Il n'y a pas le temps pour parler de ça. Il faut sortir de cela. Il faut sortir de ces systèmes. C'est de la sorcellerie. Madame, une femme. C'est la tour de contrôle. Tu n'as pas fait. C'est une femme pour continuer. Il faut délivrer. Je serais obligé de citer deux femmes. Je commencerai par Katino. Katino. Oui. Non. À qui Satan, je crois, a enlevé le témoin maintenant pour passer à. Comment l'appeler? Lady Ponce. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous savez le problème. Moi, je bats la tête de l'émotion. Le problème dans notre pays, c'est qu'on ne peut pas dire la vérité. On n'aime pas la vérité. Et lorsqu'on vous dit la vérité, vous vous révoltez. Bon, je suis obligé de dire la vérité parce que je les aime. Je ne les aime pas de mon amour. Parce que de mon amour, je ne peux pas les aimer. Mais de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, j'aime Katino. Il faut qu'il se repente. Ouais, parce que nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà. Bon, merci à vous. Tu sais comment on va faire pour les prendre? On a oublié une chose. Hein. On a oublié de vous demander ce qu'il fait à Paris. Quel est son boulot? Oubliez précisément l'évangile. Je travaille, je suis agent de sécurité. Agent de sécurité. Incendie. Incendie donc. Et je viens de mettre sur pied par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà. Non, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Par son Fils unique Jésus-Christ. Et que quand tu peux éteindre le feu ne te brûle pas. Non. C'est un sapeur pompier. On ne tente pas Dieu. Tu es sapeur pompier, non? Je ne suis pas sapeur. Tu es quoi, agent de sécurité? Je suis agent de sécurité incendie. Ah, donc quand une femme prépare et qu'elle veut la nourriture ne veut pas bien cuire, tu veux augmenter le feu? Non. Voilà, caméra. Tu es agent de sécurité. Bon, je disais que tu sais pour prendre tous les gens, les artistes que tu as cités là, et les prêcher sur eux, ce n'est pas facile. Prenons les Jérémie. On les arrête tête par tête. On met en cellule, on pêche sur eux, on les dit ça. La parole de Dieu dit que au commencement était la parole. Au commencement, c'était pas le génie. Au commencement était la parole. Donc, il faut quelqu'un qui puisse dire la vérité afin que les cœurs soient touchés. Bravo. Ce n'est pas pour choquer. Ce que je dis n'a pas. Je n'ai pas l'intention de choquer. Je n'ai pas l'intention de vouloir convertir quelqu'un parce que c'est pas moi qui convertis. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Après avoir écouté la parole. Est-ce que d'accord, moi, je veux dire. Volontiers. Tous ces noms que j'ai cités, c'est des gens que je voudrais rencontrer face à face. On va partir. On va partir. Parce que Jésus-Christ les aime. Quand j'étais dans le monde, j'avais beaucoup de femmes. Jésus est venu, il m'a délivré. Quand j'étais dans le monde, je buvais beaucoup d'alcool. Jésus est venu, il m'a délivré. Jésus, tu es plus que vainqueur. Ah, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. 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 Oh, on va te délivrer, on va te délivrer. Tous les démons qui sont en train de rentrer chez eux, nous sommes plus, il est plus. Je ne suis pas plus. Ah, moi je suis saint, voilà. Parce que Jésus-Christ m'a sanctifié par sa parole. Voilà, il est saint. Moi je suis Saint-Étienne. Toi tu es brûlé. Tout ça, on va te délivrer. Aujourd'hui, les gens s'attachent au bien de la terre. Tu vois quelqu'un qui tue son frère pour l'argent, l'autre qui tue son frère pour la voiture, l'autre qui tue, l'autre, d'autres pour qui on travaille, payer c'est un problème. Il m'a lâché comme ça. Il faut les délivrer, ma sœur. Tu fais que blanc. Hein? Tu fais des plans, machin. Je vais te faire un plan. Tu lis la Bible. 8 secondes. 8 secondes. Oui. Je te fais le plan 8 secondes. Tu vas dire un mot et dis à tous les enfants que tu as enceinté avant d'aller à Nero que le père est là. Mais que s'ils veulent venir te voir, que quand ils d'abord, tu travailles, tu bénis sur eux. Tu peux les bénir. Je dis à ma fille qui est Bolova, que je n'ai jamais rencontrée. Voilà. Et si ses parents, si sa maman est en train de m'écouter en ce moment, voilà.
Dieu m'a fait grâce d'avoir cet enfant avec cette demoiselle que j'ai rencontrée en une seule nuit. Voilà. Je le dis, c'est la vérité. À Yaoundé, j'ai ma fille Cindy, si sa maman est à mon écoute. Et voilà.